Please be seated. The court is now in session. L'audience est reprise. Next, the chamber hands over. La chambre to defense counsel donne la parole Nguyen Chia à la défense de Nguyen Chia to continue questioning pour poursuivre l'interrogatoire du témoin, le cas échéant. Thank you, Mr. President. I would like to take this opportunity just to briefly respond to what happened before the interview. Réagir suite. First of all, I would like to stress that we feel we have the right and selon the duty to challenge the credibility of a witness. De contester la crédibilité d'un témoin if we feel that witness is si not telling the whole truth. Ce témoin ne dit pas la vérité. Second, it is deuxièmement, up to a defense lawyer, c'est à la défense, in this case, to cross-examine a witness, en l'occurrence à moi, qu'il incombe de contre-interroger un témoin, not to the judge to come et non pas au juge the rescue of a witness de venir who's à la rescousse d'un témoin lorsqu'il est incapable de répondre de façon satisfaisante à mes questions. And it is, third, troisièmement, up to me, up to us, c'est à moi, Nguyen Chia's defense, to decide. C'est à la défense de Nguyen Chia how we de décider want to defend de quelle our client façon nous voulons défendre notre client. And as long as we stay within the limits of the law, tant que nous restons we dans take les the position that we are allowed to do whatever nous pensons que nous avons le droit necessary de faire tout ce qui nous semble nécessaire. Remarks made by les remarques faites par la juge Cartwright nous paraissent extrêmement a judge should not déplacé. Interfere un juge n'a pas à se mêler de la stratégie de défense. It's up to us to decide c'est à nous de décider want to represent comment our client nous voulons représenter in or outside notre court client. And finally, we have raised dans le prétoire et à l'extérieur, nous avons soulevé la question de l'ingérence to honest, à de nombreuses reprises dans le passé. So je peux vous dire que nous allons continuer de le faire à l'avenir. Also in court. Et également thank you very much. I have no further questions devant le tribunal. Merci. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Yes, international co-prosecutor, you may proceed. Le président, je donne la parole au coprocureur international. I don't want to use much time of the court. Je ne vais pas but I would just briefly respond to that. Prendre beaucoup de temps, I certainly mais juste répondre disagree brièvement with the statements je suis that have just been made. Désaccord there was no attempt avec ce qui vient by d'être dit. Here to interfere. La Chambre n'a jamais essayé our objections were when counsel d'intervenir, attempted to ask a witness who was objections not part of the confidential investigation team of the court who were suspects in an investigation, an attempt to ask d'une nature différente. Whether the government was il s'agissait de dire qu'on ne pouvait pas demander aux témoins s'il y avait ingérence des pouvoirs publics. That apparemment, that the witness had been intimidated with, yet il a été suggéré que le témoin avait été intimidé. Mais la défense n'a pas posé la question directement. Lorsqu'un avocat sous-entend qu'il y a eu ingérence, la Chambre peut poser and that ce genre is all de question, that went on ce qui a été fait. And I think it was entirely appropriate. Cela était tout à fait adéquat. The president. Le président. Yes, Judge Lavergne. La parole est au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaiterais revenir quelques instants sur les questions que les parties civiles, les conseils des parties civiles souhaitaient poser aux témoins et plus précisément sur les documents qu'elles souhaitaient utiliser pour servir de fondement à ces questions. La Chambre voulait d'abord savoir si ces documents sont effectivement disponibles dans les trois langues officielles des CECC et également si ce n'était pas le cas, s'il y a eu des demandes de traduction qui ont été faites pour que ces documents soient traduits. So that such documents donc ça, c'est la première question. La deuxième question concerne
le but pour lequel ces documents sont nécessaires, quel est l'objectif d'utiliser de tels documents pour vos questions, est-ce que cela a une pertinence absolument forte pour l'audience d'aujourd'hui. Relevance to today's hearings. Merci, Monsieur le juge. Je vais répondre donc à vos deux questions. Certains de ces documents sont disponibles dans les trois langues, d'autres ne sont disponibles qu'en anglais et en français, et en khmer. Je ne sais pas des clients que mon équipe représente, donc je ne sais pas si les demandes de traduction ont été faites. Je peux m'en informer auprès de l'équipe qui représente ces clients. Ce sont en tout cas des documents qui sont bien évidemment au dossier et que nous avons versés comme pièces lors de deux requêtes qui ont été faites au mois d'avril, je crois. And I believe that these requests were made. On a une requête qui a été faite au mois d'avril, qui est E9/32, et une deuxième requête qui a été faite au mois de juillet, E109/2. Et pour répondre à votre deuxième question, le but de notre interrogatoire était de éclairer la vérité sur la chaîne de commandement qui existait au niveau de la zone et de savoir si des personnes étaient exécutées, qui étaient les personnes qui donnaient les ordres pour ces exécutions. S'agissant donc de ces déclarations faites par des parties civiles, sont des déclarations qui sont signées par elles? Oui, absolument, ce sont les déclarations qu'ils ont faites lors de leur constitution de partie civile. Donc en fait, il existe les documents qui ont été faits en Khmer, qui sont les constitutions de partie civile, dont des résumés ont été faits en anglais, dont certes, et qui sont au dossier également, et qui sont les documents sur lesquels je souhaitais m'appuyer. Certains de ces résumés ont été traduits en français, d'autres non. Bien, donc je pense que la Chambre souhaite prendre le temps de la réflexion et prendra sa décision ultérieurement. Merci, Monsieur le juge. Le Président, je donne la parole à la juge Cortright. Yes, thank you, President. Merci, Monsieur le Président. I just want to take the opportunity of ensuring that the statements made by Prakyut to the investigating judges have all been placed before the chamber, because I'm personally not clear about their current status. And so I'm now formally placing before the chamber these four statements, D234/4, with corrigendum D234/4, corrigendum number 2. D234/8. He's not here. By counsel for Nuancia. L'avocat de Nuancia, mais il n'est pas dans le prétoire. D234/15. And D234/16. And I just want to ask Prakyut
a couple of questions. Je voudrais poser quelques questions à Madame Prakyut à ce sujet. In your evidence earlier, you have said dans vos dépositions précédentes, vous avez dit à plusieurs that reprises you could not remember que vous ne vous souveniez pas d'un grand nombre d'informations it was so many years car ago. Cela remontait Is à that de correct? Nombreuses années. Est-ce exact? Yeah. Réponse, yes, it is. Oui. And is it also correct that est-il également exact you have told us that the statements made que les déclarations que in your vous aviez four statements to the co-investigating lors de la quatrième audition avec les juges d'instruction were truthful? Étaient is that fidèles correct? À la vérité. Est-ce exact? Yes, réponse, it is. Effectivement. In, D234/16, you were asked this question. Une question vous est posée. You told us yesterday that you were confident hier, in the revolution vous nous avez dit and que a vous loyalist avez confiance dans to la the révolution et que vous lui étiez loyal. Did the arrest of your husband est-ce que l'arrestation make you change de votre mari your mind vous a about amené the revolution? À changer d'avis concernant la révolution? And you answered, et vous avez donné la réponse since the arrest suivante. Of my husband, I lost confidence in depuis the revolution l'arrestation de mon mari, j'ai perdu ma confiance because envers I la loved révolution, my husband. Car j'aimais I mon could mari. Not speak out then, à l'époque, je ne pouvais but pas m'exprimer, myself, mais I felt en mon fort hopeless. Intérieur, je Was me sentais correct désespéré. Statement then? Est-ce que cette déclaration était véridique? Réponse. Allow me to answer the question laissez-moi concerning the arrest of my husband. Vous répondre concernant l'arrestation de mon mari. In the first place, I was hopeless. Au début, j'étais désespéré after the arrest après of my husband, l'arrestation de mon mari. I loved my husband, but he was car arrested. J'aimais mon mari. However, I dared not to say anything mais je n'ai before rien Lankin. Osé dire devant Lankar. But normally, as everyone knows, there must be love between comme vous le savez, husband and wife. But they had to give it away. Un homme et une femme qui sont mariés en général s'aiment. Because my husband was arrested. Mais moi, j'ai dû y renoncer suite this à l'arrestation de mon mari. C'est ça que je me suis dit. It would be incorrect if I was protesting. Je me suis dit qu'il serait but it is true that inopportun de protester. Husbands and wives love each other. Mais c'est vrai qu'une femme et son mari s'aiment. This is what I said. But I had to sacrifice. Et c'est cela que j'ai dit. I did not even cry il m'a fallu when he was arrested. Faire un sacrifice this et je n'ai même pas pleuré lorsque mon mari a été arrêté. Ceci est la vérité. You were also asked other questions d'autres about questions vous ont aussi été your posées faith in the revolution. De votre foi and you were asked, for example, en la révolution. Was par it exemple, wrong or right la question suivante. That people were forced to était-il work? Correct you ou non de forcer des gens à travailler. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que vous avez faite au juge d'instruction en réponse à cette question? Allow me to answer this question. Réponse. I am of the view that it is wrong. When people are forced to work. Je considère que c'est incorrect de forcer des gens à travailler. People were forced to work very hard during that time. Car à l'époque, les gens ont été contraints de travailler dur. People were forced. Les gens y ont été forcés. However, I believed that we cela étant, had to follow the plan je pensais que nous devions put in nous place conformer by the upper au plan echelon. Fixé par l'échelon supérieur.
You were also asked what happened to people who could not be re-educated. Qui ne pouvaient pas être rééduqués. On vous a demandé si ces gens avaient été arrêtés, tués ou s'ils étaient morts. Est-ce que vous vous souvenez de la réponse que vous avez donnée à cette question ? Réponse. I was asked at that time about that. On m'a effectivement posé cette question. And I said, there were no arrests. Et j'ai répondu killings, qu'il n'y avait pas d'arrestation ou d'exécution, re-education. Mais bien une rééducation. And there was no arrest by the upper level, and there were no killings of people because they le niveau supérieur n'a pas arrêté ou exécuté des gens. Mistakes. Car les gens avaient simplement commis des fautes mineures. So, question. You are telling the court today that at your level there was no arrest or killing. Il n'y avait pas d'arrestation ou d'exécution. Were there arrests or killings at any other level above you? À un autre niveau, à un niveau supérieur au vôtre. Yeah, but. It is true. Réponse. C'est exact. This is true. You were asked, question. Did it mean that the killing was the final stage si in the process? And you answered, I was not responsible for the killing of the wrongdoer. The killing was the decision of the upper echelon. When there were people making mistakes, the lower rank prepared the case and sent it to the upper echelon, who was the educator and manager. Is that correct? That answer correct? Qu'elle les corrige et qu'elle prenne des mesures. Est-ce que cette réponse est exacte? Réponse, yes, it is. Oui. So you are confirming question. That the information that you gave que les informations about 2 years que vous avez ago to the investigating judges is true and correct, even if you couldn't remember même all si of those details vous in court. Is that what you're telling de us today? Tous les détails dans le prétoire. Est-ce que c'est cela que vous nous dites aujourd'hui? Yes. Réponse, oui. Thank you, President. La juge Cortright. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Thank you, merci, Madame la juge Cartwright. Next, the chamber hands over to à présent, la Chambre a defense donne counsel la parole for Yang Sari à la défense de Yang Sari for them to put questions to this witness pour if l'interrogatoire they wish to do so. Du témoin, le cas échéant. Counsel Ang Odom. La défense de Yang Sari. My respects to Mr. President and my respects to your honors. Je salue le président et les juges. Everyone. Je salue également toutes les personnes présentes dans le prétoire et la galerie. The defense counsel for Mr. Yang Sari. La défense de Yang Sari stand by the position that they will not ask maintient questions sa position, to this witness. Thank you. À savoir qu'elle ne posera pas thank you. De questions à ce témoin. Le Président, and now je vous remercie. À présent, la parole est à la défense de Kyo Sampan to put questions to this witness qui peut if they interroger wish ce témoin to do so. Le cas échéant. Thank you, Mr. La défense de Kyo Sampan. And my respects to the merci, chamber. Monsieur le Président. Je salue la Cour. At this moment, counsel for Mr. Kyo Sampan. À ce stade, la défense de Kyo Sampan n'a aucune question à poser however, au présent témoin. If the chamber néanmoins, allows counsel for civil parties to put more questions si to this witness la chambre at a later autorise stage, la partie civile à poser des questions à ce témoin like ultérieurement, to deserve, to nous souhaiterions nous réserver le droit de poser nous aussi des questions, le cas échéant. Le Président, je vous remercie.
Now the proceedings to hear testimony of Mrs. Prakyut has come to an end. La déposition du témoin Prakyut est à présent terminée. Le président. The court will continue its proceedings. L'audience va se poursuivre. Il y a en effet certaines questions qu'il convient de traiter et qui concernent l'interrogatoire du présent témoin par la partie civile. In order to be clear, I would like to hand over to Judge Lavergne. Je vais donner la parole au juge Lavergne pour qu'il puisse apporter certaines précisions à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. La Chambre, tout d'abord, souhaiterait être bien sûr qu'elle a bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, à savoir que les documents qu'elle vous entendiez vous référer était disponible à la fois en khmer et au moins dans une des autres langues de la Cour, soit en français, soit en anglais. Je crois que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour certains documents, ils n'étaient pas disponibles dans les trois langues, mais au moins, ils sont tous disponibles en khmer et dans une autre langue. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, absolument. Monsieur le juge, si vous permettez, j'aimerais qu'on nous indique à ce moment-là les références, parce qu'il me semble que la partie civile n'a évoqué pour traduction que des résumés et non pas les documents qu'elle avait commencé à présenter aux témoins. Nous avions l'intention justement de présenter ces résumés. Donc il existe aujourd'hui au dossier des constitutions de partie civile qui sont uniquement en khmer, dont des résumés ont été faits en anglais par l'unité des victimes et dont certains de ces résumés ont été traduits en français et d'autres pas. Les deux constitutions de parti civil auxquelles je souhaitais me référer, je crois, n'ont actuellement pas été traduits en français. Mais entendons-nous bien, ce que vous entendez utiliser, ce ne sont pas les déclarations mêmes faites par les partis civils, mais les résumés qui ont été faits par qui ont été faits ces résumés?
Nous pouvons faire référence aux deux. Ne travaillant pas en Khmer, j'allais moi-même faire référence aux résumés qui ont été faits en anglais, mais un de mes collègues cambodgiens pourrait peut-être faire cette référence directe à la version Khmer, qui est la version longue, non résumée. Mais la version Khmer, elle est disponible uniquement en Khmer ou en Khmer et dans une autre langue? Non, la version Khmer intégrale est uniquement disponible en Khmer. Oui, Monsieur le Président, je voudrais apporter quelques précisions puisqu'il s'agit de toutes les déclarations de constitution de partie civile qui ont été déposées initialement et remplies initialement par les parties civiles. Il n'y a pas eu de traduction parce que, à l'époque, alors j'avoue que je vous réponds un peu de façon impromptue, cette traduction n'a pas été autorisée. Il n'a pas été possible de faire traduire tous ces documents. Je précise quand même qu'entre les déclarations de partie civile et les dépositions de plaignants qui ne se sont pas constitués partie civile, il y a eu environ 8000 documents à l'époque. Et il y a bien sûr 3900 déclarations de partie civile. Je précise quand même, pour la fiabilité de ces documents et leur authenticité, que ce sont les documents qui ont servi de base au juge d'instruction puis à la chambre préliminaire pour déclarer recevables 3900 parties civiles. Donc ce sont des documents qui ont quand même une validité, une fiabilité certaine et qui ont servi de base à cette recevabilité. Voilà ce que je peux vous apporter comme précision. J'ajoute que votre décision sur l'utilisation de ces documents est évidemment très importante puisque nous avons versé ces documents au dossier, donc ils sont numérotés, il y a des références que nous donnerons au moment venu. Nous les avons versés en temps utile au moment où la Chambre nous a demandé de verser des pièces. Et si, en application de la règle 87, nous souhaitons à un moment donné utiliser ces documents, nous sommes obligés d'en faire état devant votre chambre. Donc là, la question se pose aujourd'hui précisément avec ce témoin, mais la question se posera à d'autres occasions puisque ces pièces sont des pièces qui peuvent être utilisées dans le dossier. President, after having verified the true documents, après vérification des documents, that the civil party council que les conseils des parties civiles intended
to use avait l'intention d'utiliser dans le cadre de leur interrogatoire du témoin. As the document exists only in one language, comme les documents n'existent en une seule qu'en une seule langue, la chambre de première instance ne permet pas for questionings to be put to this witness based on those que documents. Des questions soient posées au témoin sur la base de ces documents. The hearing of the testimony of witness Pratchett has come to an voilà end, qui met fin à la déposition du témoin appropriate for the adjournment as well. Et le moment est venu de lever l'audience pour aujourd'hui. La chambre de première instance souhaite remercier Madame Pratchett for providing your testimony as summoned by the chamber. Merci Madame d'être venue témoigner. And the hearing of your testimony has come to an end. Voilà qui met fin à votre comparution. You can therefore, you are now therefore relieved of your duty to provide the testimony before this chamber. Court officer, voilà please qui met assist. Fin, donc, the witness, vos responsabilités vis-à-vis de cette chambre en termes de cette déposition aujourd'hui. With the visa rather, la chambre enjoint la section d'appui aux témoins et aux experts the witness to return to her residence. D'assister le témoin dans son retour chez elle. The chamber is now adjourned and we shall resume tomorrow morning starting from 9 a.m. Nous reprendrons demain à 9h. Security guards, you are instructed to take the three accused back to the detention facility. Veuillez ramener les trois accusés au centre de détention. To this courtroom tomorrow morning before 9 a.m. Et les ramener au prétoire avant 9h. L'audience est levée.